Je vous présente notre nouvelle Aïcha Tremblay. Mais celle-ci ne tremble pas avec les épaules. Elle tremble avec son boulot. Oui, on l'appelle Rosie. Qui est Rosie? Rosie est la star actuelle qui bouge la toile. Depuis quelques jours, on parle seulement de cette petite Kenyenne qui est arrivée au Liban comme ménagère. Oui, elle a travaillé plusieurs années pour cette famille que vous voyez là, pour ces blancs libanais que vous voyez là. Tellement son amour a été chaleureux, elle a tellement apporté de l'affection, elle a tellement valorisé son boulot. Un boulot, le boulot des nounous. Certains pensent que c'est le dernier des métiers au monde. Elle a valorisé ça. Aujourd'hui, elle est star grâce à son boulot. Son contrat donc était à terme. Il fallait qu'elle rentre dans son pays, au Kenya, pour saluer ses parents, pour passer aussi un peu du temps, puisqu'elle a trop duré à l'extérieur. Mais sauf que les enfants de ses parents ont dit, « Maman, tu ne nous laisses pas. Tu ne pars nulle part. » Adama, Adama, hey, non, la petite si nous enseigne, elle nous enseigne beaucoup de choses. Il y a combien parmi nous, combien travaillent, combien font leur métier par passion, par amour. Voilà ce que la jeune Rosie nous enseigne aujourd'hui. Travaillons avec amour et passion. On comprend là que Rosie a passé son temps à travailler, pas seulement pour de l'argent, mais d'abord, donc elle s'est sentie à l'aise. Elle a, je sais pas, je suis même, les mots me manquent même. La petite fille, elle a en train de faire le tour des réseaux sociaux, je vous assure. La mère même de ses enfants était dépassée à l'aéroport que, hey, moi-même, votre propre mère, Adama, vous aimez la nounou plus que moi. Quelle belle leçon de vie. Vous connaissez bien ce qui se passe là-bas, non? Vous savez que ces gens-ci là avaient une autre couleur de peau aussi. Les Arabes là d'abord, vous connaissez comment ça se passe là-bas. On a vu tout récemment une autre qui pleurait comme ça du côté de l'Allemagne. Que vraiment, genre me chiffonne ici à cause de la couleur de ma peau. Oh, le racisme est monté, machin. On a dit on ne pleure pas. Imposez-vous à travers votre boulot. On a vu les Samuel Eto'o se plaindre un temps, mais après ils ont compris. Toujours pour cette histoire de racisme, ils ont compris qu'il fallait s'imposer avec le work. Les gars ont charbonné, les gars ont travaillé dur et les blancs les ont respectés. Voilà une fille, voilà vraiment le genre de fille qui devait faire le tour du monde. Oui, la jeune petite, elle devait faire le tour du monde. Mais on a vu l'autre faire. C'est elle qui. Voilà une fille qui valorise un métier. Qui montre à la jeune génération que travailler avec amour. Travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Oh. C'est-à-dire que quand tu regardes la vidéo, ça te donne même d'avoir la chair de poule. C'est-à-dire que. Mais. Hey. Quand je pense que je n'ai pas pu faire 2 mois. Avec une bonne chez moi, avec une nounou. La première fois que j'essaye, parce que la fête là, j'ai dit toujours que j'essaye la fête ici ma première fois. Elle arrive là, comme j'ai un tout petit bébé là, de moins de 2 ans. Les autres partent à l'école. Il fallait absolument quelqu'un qui va rester avec l'enfant, comme leur mère aussi travaille. Ha! Voilà comment on décide qu'on prend une nounou. Elle arrive à la maison. On constate que les viandes commencent à baisser au congélateur. Oh, les trucs, il y a des trucs qui disparaissent dans la maison. On demande, elle dit que non, qui, non, moi je prends seulement soin de l'enfant comme vous avez dit. Je suis allé donc acheter une caméra. Il y a des nouvelles caméras maintenant qui prennent les cadres. Je suis venu fixer à l'angle de la maison comme ça là. C'est cette caméra qui me permet de voir que, comme la bonne dame rentre, parce qu'elle commence au travail à 7h30, 17h30. Quand nous on rentre à 20h, 19h, 20h, quand on rentre, la bonne dame est à partir
Donc, quand elle part, elle laisse le tout petit avec ses grands frères. C'est où on voit là que, hey, quand elle rentre chez elle, elle vient avec son plastique, où elle cache le plastique, où. Quand elle veut qu'il faut rentrer, elle prend aussi, même si elle a la tomate, même si elle ouvre son congélateur, elle prend les trucs, elle charge dans son plastique, elle rentre avec. C'est où je rappelle la bonne âme que regarde toi-même. L'enfant vient, elle, dès qu'elle finit de prendre soin de l'enfant, elle couche l'enfant au salon, elle frappe elle-même 4 œufs. La nourriture, là, on a préparé, elle ne touche pas. Elle frappe elle seulement les œufs. On constate seulement que, mais, on met 3 avioles d'œufs, ça ne fait même pas 2 semaines. Qu'est-ce qui se passe? C'est elle qui tape les bêtises des chops. On a même supporté l'autre, là, on est que, arrête ça, elle dit oui. Ce qui m'a fait me séparer de ma borne, les amis, comme il vous dit là, c'est que, un soir, je rentre à 15h. Je suis oublié que je suis à la maison, j'arrive. Je les vois en train de discuter au salon, discuter la télécommande. La nounou en train de discuter la télécommande avec mes enfants. Je dis qu'est-ce qui ne va pas. Elle se prend une fois devant moi et dit que si c'est comme ça tout le temps. Que mes enfants rentrent, ils veulent regarder seulement les tintins. Alors qu'elle a sa série à regarder. Si ça continue comme ça, elle va même gifler quelqu'un. Elle dit, hein, ma. Attends un peu. Je suis allé seulement acheter une fois pris son salaire. Je dis que, hein. Pardon, ne gifle pas toi quelqu'un. Pas à ma mère. Adama, j'ai seulement pris l'enfant là, l'inscrire au départ, comme on me disait, à la crèche. Alors que je refusais ça, que non, mieux une nounou. Je suis allé mettre l'enfant à la crèche. Donc on a la chance de tomber sur une nounou comme Rosie. Mais, mon frère, quelle joie! Quand tu vois comment les enfants pleurent pour Rosie, pleurent, ne rentre pas, non, on a besoin de toi, maman, maman. Ça veut dire que. La propre mère même de ses enfants n'ont pas pu les donner la chaleur humaine, l'amour que Rosie les donne. Oui, on place la mère, on place Rosie, les enfants sont en face, on dit venez, les enfants viennent choisir Rosie et laisser leur propre mère. Donc même la peau là, les enfants n'ont pas géré ça parce que elle a montré à ses enfants le vivre ensemble. L'amour fraternel, l'amour vrai. Ça, c'est des bonnes que les gens cherchent avec la torche ici dehors. Avec la torche. Voilà le genre de fille qui doit faire le tour des médias pour valoriser son travail. Voilà ce qu'on cherche. Voilà ce qu'on veut pour notre jeunesse, pour notre société. Hein? Ah. Merci de partager la vidéo, les amis. Vraiment, c'est chers jeunes. Suivez l'exemple de cette petite. Travaillez avec amour. Travaillez avec passion. Oui. Il faut aimer ce qu'on fait dans la vie. Ne faites pas quelque chose tout simplement parce que bon, les temps sont durs. On va faire comment? Et quand on travaille avec amour et passion, comme Rosie, voilà les fruits. Et vous comprenez qu'à tout moment, on peut être célèbre. On peut être célèbre à partir de même. On peut impacter avec tout. Voilà une nounou qui est devenue une célèbre mondiale. Oui, une nounou. Qui aurait cru qu'une nounou pouvait, on pouvait parler d'une nounou dans tout le monde entier. Elle a des millions de vues. Oh, Rosie, que Dieu te bénisse. Très bel exemple à suivre. Elle est enfin arrivée, la période des fêtes de fin d'année. Avec ses nombreux cadeaux, sa bonne ambiance et surtout ses repas festifs. Tu vis dans la diaspora et tu souhaites que tes proches au Cameroun passent de bons moments en famille, autour des repas de Noël et de Nouvel An. Grâce au site Easy Market, achète des denrées alimentaires pour tes proches restés au Cameroun et nous les livrons en 24 heures. Pas besoin d'envoyer de l'argent qui sera peut-être utilisé pour autre chose. Rends-toi sur www.easy-market.net et permets à ta famille au Cameroun de passer de belles fêtes de fin d'année. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.